Raphaël Donjon, bonjour. Vous êtes l'initiateur du projet Planète Solar. Mais avant de parler de cet incroyable bateau et du tour du monde, nous allons vous présenter à nos internautes. Vous vous appelez Raphaël Donjon. Vous êtes né il y a 40 ans à Neuchâtel. Vous avez une formation supérieure de technicien ET en mécanique. Vous êtes aussi ambulancier professionnel et spécialiste de sauvetage en milieu périlleux. Vous avez aussi créé le premier serveur au monde fonctionnant à l'énergie solaire. Vous êtes également sportif puisque vous pratiquez l'alpinisme, la spéléologie, pilote de planeur d'avion et de patrouille et dernièrement initiateur skipper et président de Planète Solar et enfin conférencier. Avons-nous encore oublié quelque chose non, alors je crois que vous avez bien résumé euh, ma carrière professionnelle en tout cas, mais c'est vrai que euh, qu'on parle de, de, de fonder et de créer l'aventure Planète Solar, c'est un mot qui est relativement court, par contre ça a quand même pris 8 ans de ma vie pour euh, démarrer cette aventure, trouver le financement, et ensuite construire Planète Solar pour partir autour du monde. Donc ça, ça a pris quand même euh, quasiment le, le quart de ma vie et la moitié de ma vie d'adulte. À quel moment de votre vie l'idée de faire le tour du monde avec un bateau a germé dans votre tête Alors c'est vraiment en 2004, en septembre 2004, donc il y a maintenant un peu plus de huit ans, euh, j'étais en Islande et j'avais eu l'occasion d'aller euh, en Islande dix euh, ans auparavant, en 1993, et j'avais pu observer vraiment plusieurs glaciers. Et en me rendant onze ans plus tard à nouveau en Islande, je vais constater qu'un glacier va totalement disparaître. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à ce moment-là pour moi. Euh, changement climatique, c'était une réalité. C'était plus seulement des articles ou des paroles. C'était vraiment un constat qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'il fallait à tout prix entreprendre quelque chose pour protéger notre planète. Et c'est à ce moment-là, en Islande en 2004, qu'a germé l'idée de, de, de partir, tenter de faire euh, le premier tour du monde à énergie solaire en utilisant un bateau solaire. Un bateau comme Planète Solaire doit coûter cher. Comment avez-vous réussi à convaincre les futurs partenaires du projet donc Effectivement, dans une, dans une éco-aventure, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est de financer euh, l'expédition, donc de trouver les fonds pour réussir euh, un tel projet. J'ai eu beaucoup de chance, tout d'abord, de trouver des, des, des parrains, donc des personnalités politiques, sportives, qui m'ont fait confiance et qui ont donné du crédit à cette aventure. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir les médias. Les médias m'ont beaucoup aidé. Ils ont cru en ce projet et ils m'ont aidé à communiquer sur, euh, sur cette aventure, ce qui euh, m'a permis de rencontrer Moche Troyer, qui est la personne qui va financer non pas toute l'expédition, mais la construction de Planète Solar, ce qui représentait à peu près la moitié du budget de l'aventure, quand même à peu près 10 millions de francs suisses euh, à ce moment-là. Donc c'est ça qui va euh, me permettre de passer vraiment du stade, on va dire, du rêve à la réalité. Combien de temps il a fallu pour construire le bateau alors tout d'abord, ce qu'il a fallu faire, hein, vu que c'est un bateau qu avait, que personne n'avait jamais construit auparavant, donc un bateau solaire capable de faire des navigations océaniques, il a fallu étudier vraiment euh, tous les aspects de la construction. C'est-à-dire qu'avant de commencer de faire quoi que ce soit, on a pris une année à étudier l'aérodynamique, l'hydrodynamique, à trouver les meilleurs matériaux pour avoir un bateau le plus léger possible, un bateau le plus efficace possible du point de vue énergétique. Il faut savoir que le planète solaire utilise à peu près 30 chevaux pour naviguer à une vitesse moyenne de 5 nœuds, un bateau de 90 tonnes qui fait 30 mètres de long, un bateau de même taille, à même vitesse, il lui faut à peu près 1000 chevaux. Donc on est à peu près entre 7 et 10 fois plus efficace qu'un bateau classique. Donc il nous a fallu environ une année d'études pour préparer justement euh, les plans et les différents matériaux, trouver les fournisseurs pour construire ce bateau. Ensuite, 18 mois, entre le moment où on a commencé la construction du bateau et le moment où Planète Solar était prêt pour euh, partir, pour faire le tour du monde. Pourquoi Planète Solar a été construite en Allemagne Alors, Tout d'abord, euh, au départ, on avait effectivement prévu de le construire ici en Suisse, mais de toute façon, euh, vu la taille du bateau, la taille qu'avait pris Planète Solar, c'était impossible de le construire en Suisse parce qu'on n'a pas d'accès à la mer, on ne pouvait pas descendre le Rhin et ce n'était pas possible de le transporter par la route, le bateau était trop grand. Donc il fallait le construire euh, là où il y a un accès direct à la mer. Et donc deux options s'offraient à nous, c'était soit la France ou l'Italie ou alors l'Allemagne. Étant donné que le sponsor principal qui finançait la construction du bateau était en Allemagne, il y avait des contacts avec une entreprise au nord de l'Allemagne. C'est pour ça qu'on a décidé de le construire à Kiel, donc qui se trouve au nord d'Ambourg en Allemagne. Comment a-t-il fait le voyage entre l'Allemagne et Monaco Alors ce qui s'est passé, c'est lorsqu'on a... Euh, terminé de construire solar On n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait qu'on parte avant la fin du mois de septembre pour quitter la Méditerranée le plus tôt possible, avant que l'hiver arrive dans la Méditerranée. Et donc, pour gagner du temps, on a continué, on a fini la construction du bateau en naviguant. Donc, il a quitté Kiel en direction de Barcelone. Là, c'était le chantier qui s'occupait de euh, convoyer le bateau. Et ils ont terminé la construction du bateau alors même qu'ils étaient déjà, ils étaient encore en train de, de naviguer. Et nous, on a pris... On charge Planète Solar à Barcelone, donc tout l'équipage qui a réalisé le Tour du Monde. On a pris Planète Solar à Monaco, on en a pris possession à ce moment-là et on a pu faire déjà une première navigation de test jusqu'à Monaco euh, avant de partir faire le Tour du Monde. Les critiques qui sont faites aux photovoltaïques sont que les panneaux sont construits en Chine et il y a le problème concernant le recyclage des batteries. Qu'en est-il avec Planète Solar oui, donc en fait, ces critiques du photovoltaïque, euh, c'est quelque chose qu'il faut peut-être mettre en relation avec les autres énergies. Savoir qu'aujourd'hui, les panneaux solaires photovoltaïques ont un rendement d'environ euh, les meilleurs entre 20 et 25 Il faut savoir que le prix a été divisé par 10 en 10 ans à peu près. Donc c'est aujourd'hui une technologie qui est beaucoup plus abordable. Le recyclage ne pose en fait aucun problème. C'est un faux problème. Pourquoi C'est du silicium et c'est du verre et de l'aluminium. C'est des produits qui se recyclent très bien. Et en termes de cycle de vie d'un panneau solaire, aujourd'hui, ça dépend des fabricants. Mais entre une année et demie et deux ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'un panneau solaire ait produit suffisamment d'énergie pour compenser son développement, sa fabrication, son transport, son installation et ensuite son recyclage. Donc on voit que c'est des rendements qui sont extrêmement intéressant, si on compare par exemple aux énergies fossiles, où aujourd'hui il faut 30 fois plus d'énergie pour prendre le pétrole sous terre, on est de l'ordre d'un rendement total sur les énergies fossiles de moins de 10%. Donc c'est là qu'on voit qu'il faut toujours mettre les choses en relation. Aujourd'hui, un panneau solaire est extrêmement efficace du point de vue économique, mais également du point de vue énergétique. Pour les batteries, euh, effectivement, ça c'est un autre problème, mais les batteries lithium-ion, les batteries qu'on a à bord de planètes solaires, il y a très peu de lithium sur Terre, c'est une matière première qui coûte très cher, donc elle est, euh, vu qu'elle coûte cher, elle est facilement recyclable, parce qu'il y a un intérêt économique à recycler euh, les batteries de panneaux solaires. la petite histoire, peut-être sur les batteries de la planète solaires, on a une telle capacité de batterie, hein, on a 1200 kWh, donc c'est... Probablement la plus grande batterie civile du monde. Et on tire tellement peu d'énergie sur cette batterie que lorsqu'on arrive à Monaco, la batterie n'avait pas perdu en termes de performance. Donc, ça, c'est une grande surprise, y, y compris pour le fabricant. On s'est rendu compte que la batterie va durer beaucoup plus longtemps que prévu. La batterie de Panin Solar aujourd'hui à peu près deux ans. Elle a perdu 0% d'efficacité. Elle n'a pas été. Euh on va dire, euh, la paperelle en termes de performance suite à ce tour du monde. Donc on peut imaginer que cette batterie va durer non pas 10 ans comme on l'avait prévu initialement, mais peut-être 20 ans. Combien de kilos de batterie y a-t-il à bord Alors il y a 13 tonnes de batterie lithium-ion, mais ces 13 tonnes, donc ça représente 13 000 kilos. Mais ces 13 tonnes, ce n'est pas uniquement de la batterie il faut savoir qu'il y a beaucoup d'électronique qui pilote ces batteries. Donc il y a 7 tonnes, on va dire, de, de produits chimiques, qui est vraiment de la batterie, et il y a à peu près 5 tonnes de supports. Et euh, des systèmes électroniques, des ventilateurs, les systèmes qui pilotent les batteries. Euh, mais l'ensemble représente 13 tonnes de batteries. Lorsque Planète Solar arrivera en fin de vie, sera-t-il recyclable C'est une très bonne question. Euh, tout est recyclable. C'est toujours une question de, de prix. Euh, je pense que la plupart des éléments du bateau seront recyclables. Ça veut dire les panneaux solaires, ça veut dire les batteries, un certain nombre de composants euh, sur le carbone. Donc savoir que le carbone, c'est un matériau composite, c'est ce qui compose euh, quasiment la totalité du bateau. Hein, le bateau est totalement matériau composite, beaucoup plus léger, donc ce qui permet d'économiser beaucoup d'énergie pendant la durée de vie. De l'utilisation du, du bateau. Par contre, c'est des produits qui sont difficilement recyclables, qui coûtent beaucoup en termes d'énergie, mais aussi qui ne sont pas très rentables du point de vue euh, on va dire financier. Donc, ça, c'est une bonne question. Est-ce que dans 20 ans, euh, on pourra recy recycler euh, la coque de panneaux solaires euh, Ça, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Quelles sont les dimensions et le poids donc, panneau Solar, c'est le plus grand bateau solaire du monde. Lorsqu'on déploie les panneaux solaires, il hein, faut savoir qu'on peut les panneaux solaires peuvent se, se rétracter. Hein, les panneaux solaires qui sont sur le pont principal. Lorsqu'on déploie l'ensemble des panneaux solaires, le bateau fait 26 mètres de large, il fait 35 mètres de long et il fait 90 tonnes en mode expédition, ce qui veut dire le bateau plus l'eau, plus la nourriture, plus euh, nos bagages, nos habits, euh, mon vélo qui était à bord. Donc c est, c est, c est, ça vous donne un peu près une idée de la taille du bateau. Et également la hauteur, c'est un bateau qui est haut. Lorsqu'on est sur les panneaux solaires, on se trouve à 7 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ça veut dire c'est quasiment une maison de trois étages. Combien y a-t-il de panneaux solaires Alors on a 537 mètres carrés de panneaux solaires, ce qui représente un peu moins de 800 modules. Donc, des modules qu'on a, qu a fait fabriquer en Allemagne. Et sur chaque module, il y a un certain nombre de cellules, ce qui fait qu'il y a 38 000 cellules solaires, donc ces cellules Sun Power, euh, sur ce bateau. Voilà, donc peut-être aussi pour la petite histoire, il faut savoir que, que Planète Solar est le plus grand bateau solaire. Mais lorsqu'on était en Polynésie française, qui sont un archipel rempli en fait, euh, d'îles, qui représente la taille de l'Europe en termes de superficie, on était non seulement le plus grand bateau solaire du monde, mais on était également le plus grand, la plus grande centrale solaire de tout archipel d'Openésite française. Donc ça vous donne une idée un peu de la taille de ce bateau. À bord, est-ce que tout fonctionne au solaire Alors, non seulement effectivement, toute énergie pour la propulsion était solaire, mais également toute énergie pour tous les systèmes de bord, ça veut dire les téléphones satellites, la douche, les pompes à eau, euh, les ordinateurs, sauf une chose qui était euh, le four et notre cuisinière qui fonctionnait avec du gaz. Donc tout le reste, c'était solaire. Bien. Maintenant, parlons de ce fantastique voyage. Le départ, Monaco. Pourquoi Monaco Alors, Monaco, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour nous, c'était important de partir depuis un endroit où les autorités de la ville s'impliquent dans notre aventure. Pour avoir une meilleure visibilité. Et donc, Monaco, il y avait d'autres villes, mais Monaco est vraiment, dès le départ, s'est intéressé à cette aventure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que Monaco, c'est le point de départ de beaucoup d'expéditions. Le, hein, le, le prince Albert Ier a construit le premier bateau sonographique, qui est parti en Arctique pour faire des explorations, pour ramener des données scientifiques. Ensuite, euh, l'expédition de, de, de Cousteau, avec la Calypso, sont partis à plusieurs reprises depuis Monaco, d'autres expéditions comme, Gérard, comme Alain Bombard, qui a traversé l'Atlantique sur un, sur un bateau gonflable. Donc c'est vraiment le point de départ de plusieurs expéditions, et pour nous c'était important de partir depuis un endroit qui a une histoire par rapport aux grandes expéditions, et c'est pour ça qu'on est parti de Monaco. Vous êtes parti le 27 septembre 2010, pourquoi avoir choisi cette date Il fallait qu'on parte, il y a deux fenêtres météo pour faire un tour du monde, donc soit vous partez... Euh, au début du printemps, ce qui vous permet d'aligner les fenêtres météo pour faire un tour du monde. C'est relativement complexe. Il faut avoir toujours partout pendant le tour du monde les bonnes périodes météo. Ça veut dire éviter d'être dans la mousson ou éviter d'être dans, dans la période des tempêtes tropicales. Et c'est relativement complexe. Donc il y avait deux départs possibles. C'était soit au mois de mai, soit au mois de septembre. Ça veut dire avant l'hiver, lorsque c'est encore possible de naviguer avec un bateau solaire en Méditerranée. Euh, parce qu'après, ça devient un petit peu délicat, c'est l'hiver et ça devient plus difficile. Donc en fin de compte, c'était la meilleure fenêtre météo était le mois de septembre. Il fallait qu'on parte avant la fin du mois de septembre. Et donc le 27, ça tombait bien aussi par rapport à un, à un terme de jour de semaine, par rapport au Média, par rapport à notre organisation. Et c'était juste avant la fin du mois de septembre. Quelle est sa vitesse maximum Alors, La vitesse maximum de planète solaire, c'est 10 nœuds. Donc, ça fait à peu près 18 km/h, 20 km/h. Et notre record absolu de vitesse, c'est 12 nœuds. Qu'on a fait euh, près de Singapour, on avait du vent qui nous poussait, il y avait un peu du courant. Et on a pu faire 12 nœuds, ça veut dire à peu près 22 km/h de vitesse de pointe. Ça, c'est le record des planètes solaires. Lorsque la mer était agitée ou qu'il y avait de forts vents, vous est-il arrivé la même mésaventure que Solar Impulse C'est-à-dire, au lieu d'avancer, vous reculiez alors oui, ça nous est arrivé d'avoir la même aventure Solar Impulse. Euh, ça arrivait qu'une seule fois. C'est moi qui étais à la barre à ce moment-là. On s'approchait de l'Australie. On était à peu près à 200 km de l'Australie et on a eu des vents très très forts. On avait à peu près 50 nœuds, ce qui veut dire à peu près 100 km/h de vent. Euh, et là, à ce moment-là, on, on, on allait en direction, le nez en direction de l'Australie, donc cap à l'ouest. Mais sur notre GPS, on, avait, on faisait route au 0,90, ce qui veut dire cap à l'est, on revenait en direction, des, dans, en direction de, de la Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire qu'on reculait en fait. Voilà, donc ça, ça a été euh, surtout dû à un problème météorologique, c'est-à-dire une, une météo qui n'avait été pas prévue par Météo France. Notre euh, entreprise qui nous suivait pour tout ce qui était routage tout ce qui était météorologique, qui n'ont pas vu euh, cette, cette, cette tempête nous arriver dessus. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur Alors peur pour moi, pas vraiment, mais j'ai eu peur à un moment donné que l'aventure se termine prématurément. Euh, on était au large d'Abu Dhabi et là on a eu un problème mécanique, ce qui fait qu'on ne pouvait plus piloter planète Solar, mais le vent nous poussait contre la course, on a dû se mettre à l'ancre, mais si notre ancrage, hein, notre, notre mouillage cédait, le bateau aurait fini contre les rochers, il aurait coulé. Donc nous, on aurait pu très rapidement, très facilement euh, revenir à terre avec notre Zodiac. Par contre, l'aventure la, se serait arrêtée là. Et là, effectivement, j'ai eu peur. Vous êtes suisse, le projet est suisse, et je crois que vous avez fait appel à Météo France. Pourquoi le projet est né en Suisse, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le but était de participer avec tous les partenaires euh, dans le monde. Donc le designer, celui qui a dessiné le bateau, il vient d'Australie. On a fait des essais de euh, en bassin de carène en Nouvelle-Zélande. Ensuite, euh, les cellules solaires viennent des États-Unis. Les batteries viennent d'Allemagne, le bateau a été construit en Allemagne et on collaborait beaucoup avec la France. La France nous a beaucoup aidés parce que le but, c'était effectivement que le projet soit suisse au départ, mais ensuite, c'était, vous savez, les problèmes environnementaux, ce n'est pas un problème uniquement suisse, c'est un problème qui touche tous les habitants de cette planète. Et l'idée, c'était de faire un projet planétaire, un projet international. Donc de collaborer avec toutes les personnes qui, qui avaient envie de nous aider. Avez-vous eu de la casse durant ce tour du monde Ouais, donc sur un tour du monde euh, de presque deux ans, bien sûr, on casse des choses, on perd beaucoup de choses aussi. On a perdu des radios, des téléphones portables qui ont fini euh, par-dessus bord, qui sont encore actuellement au fond de l'océan Atlantique à 4 mètres de profondeur. Hein. Donc, on a effectivement euh, cassé pas mal de choses. C'était notre travail, justement, de, de, de tout faire pour le bateau euh, reste en état de fonctionner. On a, canné, on a cassé deux panneaux solaires hein, parce qu'on est tombé dessus. Et on a eu ces problèmes avec les hélices. Hein, donc, deux fois, on a eu des problèmes avec les hélices qui étaient très. Très, très embêtant. On a eu un problème avec une batterie qu'il a fallu remplacer euh, peu avant le départ. Mais je dirais qu'on a réussi toujours à entretenir le bateau. Il n'y a jamais eu de problème euh, qui a mis euh, en danger euh, l'aventure, hormis ce problème qu'on a eu à Abu Dhabi. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter et d'avoir peur de ne pas pouvoir terminer votre périple et Donc en fait, dès le départ, il hein, y avait en fait, peu de chances qu'on réussisse. Il fallait trouver 20 millions, euh, c'est très difficile, il faut savoir qu'à peu près 80% des projets comme Planète Solar n'aboutissent jamais, donc on avait moins de chances de réussir euh, que d'échouer. Par contre, après, quand vous commencez à réussir, c'est-à-dire que vous avez les moyens, vous avez un bateau, à ce moment-là, vous passez à une autre étape où vous commencez euh, à avoir effectivement, vous avez tout en main pour réussir, et vous commencez à avoir peur euh, du problème technique, du petit problème qui va euh, mettre en péril l'aventure. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai eu peur d'échouer. Ça veut dire euh, à n'importe quel moment, on peut toucher un container, on peut avoir un prêt avec les pirates, on peut avoir un prêt mécanique, juste une entrée de port, et puis on peut casser le bateau. Donc effectivement, c'est une crainte que j'ai eue tout au long de ce, de ce voyage. Jusqu'au moment où Planète Solar était hackée à Monaco, à ce moment-là, il pouvait plus rien nous arriver. On avait réussi. Mais jusqu'au dernier moment, euh, j'ai douté, parce qu'il faut jamais, comme on vous l'a sûrement appris, vendre la poudre avant d'avoir tué. Vous avez passé proche des côtes de la Somalie. Quelles sont les mesures que vous avez dû prendre pour protéger votre bateau et ses passagers Alors effectivement, on a, passé, on a dû passer, c'était un passage obligatoire par le Golfe d'Aden, hein, qui se trouve entre la Somalie et le Yémen, qui sont deux pays hautement déconseillés. Ce n'est pas là-bas qu'il faut partir en vacances. On n'avait pas de passagers à bord, hein, on n'était que des membres d'équipage. Et ce qu'on a organisé tout d'abord, c'est qu'on a pris Christophe Kaykais, qui était mon instructeur. Lorsque j'ai fait ma formation pour être pilote, l'ancien chef de l'armée suisse pour organiser toute la sécurité de ce passage, Et également de la mer Rouge. Il hein. faut savoir que le, le nord, euh, le sud de la mer Rouge est euh, encore dangereux. Il y a encore des pirates qui sévissent au sud de la mer Rouge. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord mis des fils de fer barbelés autour du bateau, à des endroits stratégiques du bateau, pour pas que les éventuels pirates puissent monter à bord. Et on avait six soldats français, euh, des commandos marines, qui étaient à bord, armés. Euh, jusqu'aux dents, euh, on avait des gilets pare balles, des cases de protection et on était également suivi, ça veut dire qu'on avait des contacts avec euh, l'Alindien, qui sont donc les forces internationales présentes dans le golfe d'Aden euh, en cas de problème. Et ce, ces mesures de sécurité nous ont permis de traverser le golfe d'Aden euh, sans aucun problème, on n'a même pas eu besoin de faire usage de la force, on a vraiment passé euh, à travers cette région difficile sans problème. Petite question gourmande, est-ce qu'une raclette cuite à l'énergie solaire a un meilleur goût Alors pour moi qui suis amoureux d'énergie solaire et qui aime beaucoup les raclettes, non, elle est, elle est bien meilleure à l'énergie solaire, il faudra que vous essayiez, ça a tout un autre goût. Et encore plus lorsqu'on est à l'autre bout du monde, au milieu de, du Pacifique Sud, en Polynésie, euh, dans une petite crique, tout seul, en train de se manger une petite raclette solaire, hein. euh, c'est vraiment les meilleures raclettes qu'on puisse, euh, qu puisse avoir. Iran, votre tour du monde, vous vous êtes arrêté dans combien de pays Donc on, on s'est arrêté dans 28 pays et on a fait 40 escales à peu près pendant ce, pendant ce tour du monde. Et donc on s'est arrêté dans 28 pays. On a probablement navigué dans, 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 dans des pays, euh, dans d'autres pays. On a par exemple plongé les côtes de Cuba. On est rentré dans les eaux nationales de Cuba, mais on ne s'est pas arrêté. Donc on n'a pas compté ce nombre de pays. Donc euh, 28 pays où on a fait escale et probablement plus de 30 pays. Euh, Qu'on a traversé. Quel était le but de ces escales bon, Il y avait plusieurs buts dans ces escales. Le premier but, effectivement, de l'aventure Panel Solar, c'est de communiquer le, communiquer le potentiel des énergies renouvelables, de démontrer qu'aujourd'hui, on a la technologie à disposition, on a tout ce qu'il faut pour changer et devenir durable, transmettre un message d'optimisme. Hein, parce qu'on parle souvent des problèmes, mais nous, on ne veut pas des solutions. On veut dire qu'il y a des solutions pour changer, que ce n'est pas trop tard et qu'il faut être optimiste. Ça, c'était le premier but. Ensuite, bien sûr, qu'il euh, faut quand même ravitailler. Il faut aller acheter un petit peu de raclette, par exemple. Il faut aller acheter un petit peu de Coca-Cola, euh, parce qu'il faut bien manger. Et donc, c'était aussi le deuxième but, c'était de ravitailler le bateau et aussi de se reposer, euh, de ne pas toujours être en mer. Voilà, c'était un peu pour ça qu'on qu a fait des escales. Et parfois, on a aussi fait des escales, on appelle météorologiques. Euh, comme dans Mer Rouge, on sait qu'il fallait s'arrêter pour recharger les batteries. Tout simplement parce qu'il y avait des conditions de météo difficiles. On préfère naviguer avec un peu plus de puissance. Ensuite, on s'arrête, on recharge et on repart dès que les batteries sont pleines. Pensez-vous que les autorités qui vous ont accueilli ont été sensibilisées par votre projet Alors oui, je dirais que ça, c'est aussi le but de la à C'est de pouvoir prendre euh, des hommes politiques à bord, des leaders d'opinion, euh, des, des industriels et de leur, de leur démontrer ce qu'on peut réaliser aujourd'hui grâce à l'énergie du soleil. Et quand vous avez un ministre de l'énergie qui monte à bord de panneau solaire puis vous lui dites que vous venez depuis Monaco et lorsque par exemple vous êtes en Égypte, vous avez pris le chemin le plus long pour rejoindre l'Égypte, non pas le chemin le plus court, mais vous avez quasiment fait un tour du monde pour rejoindre l'Égypte et uniquement grâce à l'énergie du soleil, ça marque les esprits et je crois que c'est ça le but de l'aventure panneau solaire, c'est de donner une impulsion pour que les gens comprennent qu'il existe des solutions. Je dirais quasiment tous les gouvernements à l'exception de Singapour ont euh, vu en notre projet un message positif et on les a vraiment sensibilisés, ça les a vraiment touchés. Singapour, effectivement, c'est un très petit pays euh, qui nous ont dit clairement que, eux non, il n'y a aucun intérêt, l'écologie, ça ne les intéresse pas, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, gagner le plus d'argent possible. Mais hormis cet État, tous les autres États de la planète euh, ont vu dans notre projet un message d'espoir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit bah Peut-être, je vais, je vais donner un exemple, c'est les Tonga. Je vais prendre les Tonga, qui sont un archipel dans le Pacifique Sud, hein, qui se trouve entre la Polynésie française et Nouméa, euh, un petit peu au nord de la Nouvelle-Zélande, comme ça vous situez un petit peu l'endroit. Et c'est un endroit où lorsqu'on arrivait, importer des panneaux solaires, c'était interdit. Parce qu'il y avait un grand lobby de plusieurs entreprises. Qui vendent leur pétrole au Tonga. Donc toute électricité est produite grâce au pétrole. Tous les bateaux de pêche fonctionnent grâce au pétrole. Et le prix du kilowattheure là-bas, c'est 70 centimes le kilowattheure. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, un kilowattheure au Tonga, ça coûte quasiment trois fois plus cher que le prix du kilowattheure ici en Suisse. Alors que eux ils ont un revenu qui est dix fois inférieur au nôtre. Donc l'énergie est très chère là-bas. Vu qu'il y a beaucoup de soleil, l'énergie des panneaux solaires est déjà moins chère que l'énergie à la prise. Donc ce serait extrêmement intéressant. Et là, on a réussi à sensibiliser le Premier ministre qui a compris que pour son pays, lorsque le prix du pétrole monte, ça étouffe son pays du point de vue économique. Les pêcheurs peuvent quasiment plus aller pêcher parce que leur poisson est tellement cher que plus personne ne peut s'offrir ce poisson et ils n'arrivent plus à manger. Donc il a compris qu'avec les panneaux solaires, il allait pouvoir se libérer un petit peu, devenir beaucoup plus indépendant par rapport à ses producteurs de, de, de produits euh, euh, fossiles et qu'il allait pouvoir doper son économie de son pays. Donc aujourd'hui, on a pu faire une installation solaire sur une école. Aujourd'hui, on peut importer des panneaux solaires au Tonga. Ils essaient de tout mettre en place pour avoir un programme de développement durable, de mettre en place un programme pour produire de l'énergie renouvelable. Et c'est en train de changer les choses. Donc ça donne un bon exemple que la monture planète solaire, dans certains endroits de ce monde, a réussi à changer les choses. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée alors c'est clair justement que lorsque pendant 8 ans on porte un tel projet, mais aussi lorsque beaucoup de partenaires nous font confiance, donc des entreprises qui nous donnent de l'argent, euh, ça implique une grande responsabilité. Donc on se sent responsable de, de, de réussir l'aventure. Même si on n'a jamais promis qu'on qu allait réussir, on a toujours promis qu'on allait tout faire pour réussir, on se sent quand même responsable. Et alors à ce moment-là, lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, et surtout lorsque le bateau est arrêté, il est hacké. À ce moment-là, on réalise qu'on a réussi. Et la première chose pour moi, ça a été, Waouh, on a réussi. Et je me suis senti beaucoup plus léger, parce que j'avais plus cette responsabilité sur les épaules de réussir l'aventure et aussi de ramener tout le monde sain et sauf à Monaco. C'était fait, on avait réussi. Et c'est seulement plus tard que finalement on réalise vraiment ce qu'on a entrepris et ce qu'on a réussi. Actuellement, où se trouve le bateau et à quoi va-t-il servir Donc aujourd'hui, le bateau se trouve à La Ciotat. Euh, c'est à côté de Marseille, donc dans le sud de la France. Il est à sec, donc il est en dehors de l'eau. Il, euh, il va subir une grosse maintenance. On va lui changer, par exemple, ses hélices de propulsion, qui était le point faible de ce bateau. Et en fait, comme c'était prévu au départ, hein, Imo Stroyer, euh, la personne qui a financé la construction du bateau, a récupéré le bateau. C'est son bateau. Et aujourd'hui, euh, le but de ce bateau, c'est qu'il ait une seconde vie commerciale. Donc il y a un usage commercial, transporter des passagers ou des plongeurs ou des touristes, ça c'est pas encore défini. Mais l'année prochaine, il y a un projet où il va aller dans l'Atlantique Nord pour faire des mesures scientifiques sur le courant de Gulf Stream, parce qu'un bateau solaire n'a pas d'émissions, hein, il n'émet aucun gaz polluant, et ça permet de faire des mesures qui ne sont absolument pas euh, impactées par, euh, par le bateau. Donc, c'est ce que va faire Planète Solar l'année prochaine, une espèce de, 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 de campagne de mesures scientifiques, comme un bateau sonographique dans l'Atlantique Nord. Quels sont les futurs projets de Raphaël Donjon Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord terminer l'aventure. Donc, on est en train de réaliser un livre, un documentaire. Le but, justement, avec une telle aventure, c'est de pouvoir la partager avec le plus grand nombre. On a un outil incroyable pour communiquer sur le potentiel des énergies renouvelables, sur ce qu'on peut aujourd'hui réaliser grâce à la technologie qu'on a à disposition. Donc on fait un 52 minutes qui sera produit en trois langues. Et euh, le 29 novembre, on va présenter euh, ce documentaire à nos partenaires. Et le 30 novembre, on va faire une avant-première publique où tout le monde pourra découvrir ce documentaire. Et l'année prochaine, on a d'autres projets. Avec la Fondation, on a d'autres projets. Euh, on a l'idée d'amener un bateau solaire sur le lac Titicaca, qui est le plus haut lac du monde. De, de voir un peu euh, comment un bateau solaire peut fonctionner à 4000 mètres d'altitude. Et puis après, moi, j'ai d'autres idées. Euh, d'autres aventures plus, euh, plus délicates, euh, plus audacieuses aussi. Mais j'essaie d'amener un autre côté à ces aventures solaires, peut-être un côté plus romantique. Et donc, euh, voilà, on travaille sur de nouvelles idées et on, on annoncera ces, ces nouveaux projets l'année prochaine. Une dernière question. Pourquoi avoir appelé votre bateau le MS Turanor Donc en fait, le bateau s'appelle MS Turanor Planète Solar. Donc MS, ça veut dire Motorship en anglais. Donc bateau à moteur. Ensuite, Tour à Nord, ça se une des de Vu que c'était aussi son bateau, il avait envie d'y mettre une petite touche personnelle. Et euh, lui, c'est un passionné de la euh, saga des Tolkien. Et euh, dans le logage Tolkien, Tour à Nord, ça veut dire la, la puissance du Soleil. Donc l'idée, c'était de dire, bah, c'est un bateau à moteur. Et ensuite, la puissance du Soleil pour Planète Solar. Voilà, pour qu'on puisse réussir ce tour du monde. Eh bien, merci, Monsieur Donjon, d'avoir pris le temps de répondre à nos nombreuses questions. Et vous souhaitons encore beaucoup de succès pour votre avenir. Merci à vous trois pour ces questions qui étaient très intéressantes. J'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à ces questions et à passer ce petit moment avec vous. Merci.